de l'Est. Donc vous pouvez dire un dimanche sur deux sur les terres agricoles à Gonesse, entre Roissy et Le Bourget. C'est exactement 280 hectares de terres agricoles qui vont être bétonnées, urbanisées. Voilà. Donc nous organisons le 4 et 5 mars une marche qui partira du Triangle et qui ira le 5 et qui arrivera à Matignon. Donc vous êtes les bienvenus. Nous avons besoin de votre soutien puisque nous, sur le Triangle, afin de faciliter l'urbanisation et de faire passer le projet Europa City plus l'urbanisation autour de Roissy, il va être construit donc les canaux des eaux usées pour la construction de la gare en plein champ a déjà commencé. Donc on a déjà commencé à se mobiliser au début juillet. Malgré tout, en novembre, la gare va commencer la construction va commencer. Donc on a besoin de tout votre soutien pour la participation de cette marche, car elle doit absolument ramener beaucoup de monde. Voilà. Donc les terres agricoles, eh bien, ça permet la suffisance alimentaire des Franciliens. C'est quand même 280 hectares de terres agricoles, les meilleures d'Europe. Il y a donc plusieurs procès qui sont en cours contre l'urbanisation, contre la ZAC, contre le PLU. Mais la Société du Grand Paris a quand même décidé de passer outre et de construire la gare pour permettre l'urbanisation. Donc nous vous demandons votre soutien et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup Roxane. On se retrouve donc toutes et tous les 4 et 5 octobre pour défendre ensemble nos terres agricoles. On va vous demander un tout petit effort. On me demande souvent pourquoi est-ce qu'on est proche Macron. Il y en a qui disent que c'est des actions qui sont potaches ou encore que c'est des actions inefficaces par rapport aux mesures à prendre. Et pourtant, depuis le 21 février, ces actions ont créé une véritable onde de choc. Oui, et cette onde de choc, on la ressent de un, de par la répression qu'elle provoque, mais aussi par la perspective un piètre président, un piètre État, un piètre gouvernement. Il y a un millier de personnes voilà ce qu'on qui a sont en France. Prêtes à désobéir la loi, qui sont prêtes à prendre des incapables de répondre pour dénoncer les beaux discours d'Emmanuel Macron qui ne trompent plus personne. Et ces actions, nous les menons car nous avons le besoin de dire de un, qu'Emmanuel Macron doit cesser de mentir aux Français en se faisant passer pour le champion de la Terre alors qu'il n'en est rien. De deux, que nous devons changer le champion de la finance, et de nous aligner sur une trajectoire compatible avec un réchauffement climatique de maximum 1,5 degrés. Et de trois, que ces changements doit être fait dans l'intérêt de toutes et de tous, sans laisser personne de côté, car on sait comment faire. Tout l'inverse reste l'actuelle politique du président Emmanuel Macron. Alors, ce qui s'est passé aujourd'hui est historique. Donc déjà, regardons aujourd'hui. Regardons la mobilisation aujourd'hui de soutien, mais regardons aussi la réaction absurde du préfet qui a essayé de réprimer toute manifestation de soutien et au tribunal, et même on nous a menacé de nous interdire la soirée du soutien ici à la rue du Chat. Ben oui. Mais malgré ces menaces, nous on est là et on a quand même réussi. Donc aujourd'hui, on a fait le procès de l'inaction. Il y a d'autres qui arrivent. Dans deux jours, vendredi, on est toutes et tous à Orléans pour soutenir Francesca, Samuel et Vincent. Et ce n'est pas fini parce que nous allons continuer à décrocher des portraits et que nous allons continuer à sortir ces portraits là où on voit déjà les conséquences du changement climatique et là où il y aura des projets climatiques qui continuent à voir le jour. Et nous avions raison.
Et ce qui nous conforte aussi, c'est de voir qu'il y a d'autres collectifs qui nous soutiennent dans nos actions. Et d'ailleurs, je profite de cette prise de parole pour dire qu'en tant que femme, je suis fière du collectif des décrocheuses qui a décroché un portrait hier à la mairie du 10e pour porter leurs revendications. Bravo à elle. Puisque, de la même manière que pour le climat, pour les violences faites aux femmes, ce qu'il faut, c'est arrêter les beaux discours et les coups de com' et passer aux moyens et à des actes. Et par ailleurs, il ne faut pas l'oublier, parce qu'en plus de ce que nous subissons aujourd'hui, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les femmes sont aujourd'hui les premières victimes du changement climatique dans le monde. Merci beaucoup, Raquel. Et on continue à la suivre, à soutenir les procès et à suivre tout ça de près. Ils nous cherchaient en disant les copains, nous sommes leurs défis, vous voulez pas faire un petit morceau là pour nous aider, on part faire les fous tout autour de la France, à vélo, machin. Et c'est depuis qu'au travers le béton de la rue Bichat pousse un spécimen de fleurs tout particulier. Un spécimen de fleurs qu'on appelle les fleurs de la résistance. Alternative, est-ce que vous êtes là? Alternative, prima gauche celle-là. Alternative. On prend soin de notre terre parce qu'on est bien les seuls à pouvoir le faire. On y met beaucoup d'amour au nom de toutes ces choses qui nous entourent. On se bat pour un avenir meilleur. On fait ce qu'on peut, ce qui nous semble bon. Et pardon si on fait des erreurs. On pouvait pas rester dans l'inaction. Faudra en grimper des étages. C'est quand on est ensemble et quand on est unis qu'on peut dire que on est invincible. Ok, c'est trois mots et c'est à vous de les dire, Paris, ça fait. On est invincible. On voudrait bien qu'ils vous entendent jusqu'à l'Élysée si c'était possible. On est invincible. Même le juge voudrait qu'ils nous entendent, là, ça fait. On est invincible. Ok, c'était juste la répétition. Les choses sérieuses commencent. On est invincible. Et on n'a rien à craindre. Je vous parle d'un feu que personne ne peut éteindre. On est invincible. C'est eux qui sont à craindre. Parce qu'ils peuvent nous tuer, mais ils peuvent pas nous prendre. On est invincible. On croit pas que je t'engraine. On fait partie de la solution, partie du problème. On est invincible. Que tous les points se dressent. Le vent souffle sur les braises quand le peuple se lève. Je balance une bombe de graines, symbole de résistance. En espérant qu'elle germe, surtout dans les consciences. Une idée qu'à plusieurs, on est plus fort que d'elle. On laisse parler le cœur alors. Alors j'écris l'amour, le cœur surchargé de peine, puisque même dans l'alphabet, M est à côté de N. À la racine, j'écris l'amour avec le A de anarchie. Cœur qui balance entre résistance et utopie. J'écris l'amour avec le A de anarchie. Merci beaucoup, plein d'amour sur vous. Nous sommes le groupe Calune et pour ceux que ça intéresse, à l'intérieur, on peut vendre nos CD, nos t-shirts et tout ça pour ceux que ça intéresse. Voilà. Et maintenant, on va laisser la place aux vrais héros du jour, aux copains d'Alternativa de AMV. On va bientôt accueillir les prévus, j'imagine. Et puis, après nous, il y aura aussi le groupe, le grand DJ Fakir. Un maximum de bruit pour lui aussi, s'il vous plaît. Merci, de l'amour sur vous. Thank you.
collectif pour le client vous connaître. Oui, bonjour. Je fais partie du collectif pour le triangle de Gonesse. Donc vous pouvez venir un dimanche sur deux sur les terres agricoles à Gonesse, entre Roissy et Le Bourget. C'est exactement 280 hectares de terres agricoles qui vont être bétonnées, urbanisées. Voilà. Donc nous organisons le 4 et 5 mars une marche qui partira du triangle et qui ira le 5 et qui arrivera à Matignon. Donc vous êtes les bienvenus. Nous avons besoin de votre soutien puisque nous, sur le triangle, afin de faciliter l'urbanisation et de faire passer le projet Europa City plus l'urbanisation autour de Roissy, il va être construit donc les canaux des eaux usées pour la construction de la gare en plein champ a déjà commencé. Donc on a déjà commencé à se mobiliser au début juillet. Malgré tout, en novembre, la gare va commencer la construction va commencer. Donc on a besoin de tout votre soutien pour la participation de cette marche, car elle doit absolument ramener beaucoup de monde. Voilà, donc les terres agricoles, eh bien, ça permet la suffisance alimentaire des Franciliens. C'est quand même 280 hectares de terres agricoles, les meilleures d'Europe. Il y a donc plusieurs procès qui sont en cours contre l'urbanisation, contre la ZAC, contre le PLU. Mais la Société du Grand Paris a quand même décidé de passer outre et de construire la gare pour permettre l'urbanisation. Donc nous vous demandons votre soutien et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup Roxane. On se retrouve donc toutes et tous le 4 et 5 octobre pour défendre ensemble nos terres agricoles. On va vous demander un tout petit effort d'attention parce que on est... Et de pourquoi on le fait? Parce qu'on nous demande souvent pourquoi est-ce qu'on décroche Macron. Il y en a qui disent que c'est des actions qui sont potaches ou encore que c'est des actions inefficaces par rapport aux mesures à prendre. Et pourtant, depuis le 21 février, ces actions ont créé une véritable onde de choc. Et cette onde de choc, on la ressent de par la répression qu'elle provoque, mais aussi par la perspective qu'elle laisse entrevoir. Puisque ça veut dire qu'il y a un millier de personnes qui sont prêtes à désobéir la loi, qui sont prêtes à prendre des risques juridiques pour dénoncer les beaux discours d'Emmanuel Macron qui ne trompent plus personne. Et ces actions, nous les menons car nous avons le besoin de dire de un, qu'Emmanuel Macron doit cesser de mentir aux Français en se faisant passer pour le champion de la Terre alors qu'il n'en est rien. De deux, que nous devons changer le système et de nous aligner sur une trajectoire compatible avec un réchauffement climatique de maximum 1,5 degré. Et de trois, que ces changements doivent être faits dans l'intérêt de toutes et de tous sans laisser personne de côté car on sait comment faire. Tout l'inverse de l'actuelle politique du président Emmanuel Macron. Alors, ce qui s'est passé aujourd'hui est historique. Donc déjà, regardons la mobilisation aujourd'hui des soutiens, mais regardons aussi la réaction absurde du préfet qui a essayé de réprimer toute manifestation de soutien. Et au tribunal, et même on nous a menacé de nous interdire la soirée des soutiens ici, à la rue Bichat. Mais on a fait le procès de l'inaction climatique.